Shalom avachem, mes chers amis, la pépite de Rabbi Nachman. Vatechasereu me'at me'elokim vechavod adar te'aterenu, un pasouk dans Tehilim. Tu es un petit dieu, vechavod adar est un honneur de resplendissement, eh bien tu auras comme couronne. Ine yadua, il dit, ki kol ma shechaser la adam, tout ce qui manque à l'homme, que ça soit matériel ou que ça soit spirituel, que tu le saches, que c'est pas chez toi que ça manque aussi, c'est aussi chez Akadosh Baruch Hu que ça manque. Il avait dit une fois aussi dans l'Écouté Moharan, que lorsque l'homme reçoit du bien encore, lorsque les Béné Israël ils sont bien, dans leur matérialité, eh bien, c'est un kavod à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il dit, ah, voilà, Baruch Hashem. Voilà, il étudie la Torah, il est bien, et en plus de Baruch Hashem, il a une belle voiture. Shu bechinat Elokim, vezeu vatechasereu, bevadai me'at me'elokim. Ça veut dire quoi? Nous, on a eu l'explication, c'est quoi vatechasereu me'at me'elokim? Que l'homme, il a une faculté d'être au niveau extraordinaire de un petit dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui crée les mondes. Ça, c'est l'explication pashut du pasuk. Mais là, il te dit autre chose. Va te chesara ou sache que quand il te manque quelque chose à toi, c'est dans la présence divine qu'il lui manque quelque chose, que ça soit matériel ou que ce soit spirituel. Aïnou, shashrina, ark, sheyedazot. Lorsqu'il saura ça à l'intérieur de lui, que le manque, il est en haut et en bas, c'est sûr qu'il va avoir encore plus de peine. Tu te rends compte, j'ai pas encore acheté ma maison. Tu te rends compte, j'ai pas encore une voiture. Tu te rends compte, cette peine-là, c'est pas une peine qui est que matérielle. C'est une peine qui est aussi, qui est spirituelle, parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu aussi, chez lui, ça lui manque ça. Mais lo yuchal avod Hashem besimcha, il pourra pas servir à Kadosh Baruch Hu avec joie. C'est la raison pour laquelle ça relève à Shivet Atzmo. Il faut se calmer. Ma ani ou ma chayai. Qui suis-je? Quelle est ma vie? Qui a mêlé Rebbe Atzmo, mais ça perd l'ir chissaran chelo. Même à Kadosh Baruch Hu, il est en train de me dire combien est-ce qu'il est manquant. Vechiyesh kavod gadol mise. Il y a un plus grand manque que ça, ou un plus grand, une plus grande honneur que ça. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il a un honneur de dire, en vérité, c'est pas moi qui manque. D'ailleurs, c'est marqué dans ma Maseret Sanhedrin. Qu'est-ce que dit quand quelqu'un, qu'est-ce que dit Dieu lorsque quelqu'un est mis à mort parce que il a transgressé un grave interdit de la Torah? Par exemple, alors nous, quelqu'un, il a tué. Maintenant, on va prendre ce tueur et on va le tuer. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il vient? Il vient, hein, et lorsque le Bet Din, donc la grande assemblée, elle vient, elle statue que cet homme-là doit mourir. Qu'est-ce que Dieu dit à ce moment-là? Elle dit, Kalani Miroshi, Kalani Mideroi. Ça veut dire, même moi, j'ai de la peine d'enlever une neshama de ce peuple-là. Mais il l'a fait contre toi, non, quand même. Kadosh Baruch Hu, il a de la peine. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous, on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, on est une partie de Dieu. Et quand il manque à Kadosh Baruch Hu, et quand manque quelque chose chez nous, il manque aussi à Kadosh Baruch Hu, chez Akadosh Baruch Hu. Mitorkar balesim chagdola. Lorsque il va conscientiser ça, qu'il n'est pas tout seul dans sa déboire. Et là, il voit qu'il a un minus dans la banque. En vérité, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a un minus dans la banque. Venitrachu amochin shelo. Il va avoir une étincelle divine qui va rentrer à l'intérieur de lui. Vezeu kavod vehadar te'aterenu. C'est ça l'honneur que tu vas, couronner. Qui est-ce qui va te couronner d'honneur? Eh bien, c'est tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu, il va, le fait que tu pries pas pour toi, mais tu pries pour la Shrina Kadosha. Aïenou, elle aidait à Kavod, Vedar, Sheshula, Meller, Batsum, mais ça parle de la Christian, Teredum, Bemochin, Khadashim, Akadosh Bokhin, influe. D'ailleurs, une Segula pour la Parnassa. Qui est une Segula qui est marquée dans ma Sechet Brachot. Comment est-ce que quelqu'un, il va faire pour devenir riche? La Gemara, elle dit. Elle dit, Sheit Palel, la Shrina. C'est-à-dire, il est en train de dire, la Shrina, je veux que toi, tu sois riche. Qu'ils comprennent qu'en vérité, t'es, c'est marqué que Parnassato, mais en fait, faites-le, qu'est-ce sa Parnassato, elle va se décupler comme un oiseau qui vole. Un oiseau qui vole, des kilomètres de haut, des kilomètres et des kilomètres de chemin. Pour te dire que quoi? Que lorsque tu pries pas pour ta souffrance à toi, dis à Kadosh Baruch Hu, regarde,
Regarde l'endroit dans lequel je vis. Regarde la situation dans laquelle elle est. C'est toi qui souffres, Akadosh Baruch Hu. Tu pries pas pour toi. Tu pries pour la présence divine qui est à travers toi et qui est en train de souffrir parce qu'elle est en train de souffrir. La prière que tu vas faire, elle va être d'une puissance extraordinaire. Parce que c'est plus que tu es en train de prier pour toi. Tu es en train de prier pour la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.